Que c'est beau, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et salut à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Mind Test for Fun, devant la tour qui grimpe avec Paligé et Jap qui blablate. Aujourd'hui, je suis rentré de mon camp avec l'école et j'ai eu la bonne surprise, le Père Noël est passé! Oh! Du coup, j'ai reçu un magnifique nouveau micro-casque. C'était en fait mon cadeau d'anniversaire de recevoir une partie sous forme de bon. Parce que c'est un truc assez cher, c'est le Sennheiser Game One pour ceux qui voient de quoi je parle. L'idée étant d'augmenter un petit peu la qualité sonore de mes épisodes et aussi d'augmenter la qualité dans mes oreilles quand je joue comme ça, parce que évidemment, je ne sais pas pourquoi un micro-casque dédié au chat et qui se branche sur prise USB, le son est un petit peu moins bon, hein. C'est ce que j'avais avant, hein. Évidemment, à l'époque, quand je l'avais acheté, je n'avais pas le budget pour avoir mieux. B91B, salut! Yes. Du coup, petit épisode un peu de reprise en vitesse comme ça. On va, moi je me balade hein, pour l'instant vraiment totalement. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller sous terre un petit coup. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je n'ai pas miné quoi que ce soit. Je vis sur des réserves, mais vraiment. Quand j'ai dit des semaines et des semaines, j'ai arrêté de les compter en fait. C'est juste monstrueux le temps que ça fait. Et je me dis, ça serait bien de se trouver quelques petits diamants. Comme ça, on pourrait se faire quelques outils assez sympas. J'aimerais aussi pouvoir faire un peu de mescone parce que mine de rien, ça fait des semaines qu'on n'a rien fait non plus. À part la petite usine il y a quelques temps. Enfin bref, la catastrophe. Donc on va aller se libérer un peu de tout ce bois. Libérer, délivrer. Non, non, non. Je ne chanterai pas ça. C'est ça de traîner avec des enfants. Après, on apprend des chansons qui sont mal. Ça fait très longtemps que j'ai pas été là en fait. Hein. C'est mon petit chez moi, mais waouh, j'ai pas, je n'y ai rien fait depuis des mois aussi. Faudra qu'on s'en occupe un peu. Je n'ai pas monté ma maison depuis un bon moment. Bon, tout simplement parce que j'avais commencé à m'attaquer à cette gigantesque tour, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir du. J'ai de l'étain. Ah, j'ai un tout petit peu de fer. Juste de quoi le faire. Oh. Un four. Maintenant que j'ai le fer, il me faut un four. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi de mettre là-dedans, mais du moment que ça le fait. Oh, nouveau logo. Chouette. Ah, mais sinon j'ai trois cristaux de messe, ça va aussi. Ok, on va y aller avec les cristaux de messe. Il me faut quand même du bois. Ah là là, Pangolin, réveille-toi. C'est ça de partir en camp. On est complètement crevé après et on fait n'importe quoi. J'ai largement de quoi faire d'un point de vue nourriture. J'ai des trucs en stock qui me servent absolument à rien. Donc on va virer ça aussi. Lingot de fer, ouais, on va virer aussi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah, et du cuivre. Cuivre éteint, je crois qu'on peut faire du bronze avec. Si, mais mémoire est bonne. Oui, j'ai exactement deux stacks plus une torche, quelle chance. Allez, on se prend des sticks. On garde quelques planches, on sait jamais. Pour avoir quelques blocs à poser au début. Oui, je veux une pioche, pas une hache en fait. Voilà. Alléluia! Allez, on va creuser une nouvelle veine dans ma mine, en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Alors, bah c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs fois des creusages, et souvent c'est un peu galère en fait. Bon, bah là-bas, ça descend, ça descend, ça descend. On va partir de ce côté-là. Ah, du quartz. C'est bien le quartz. De ce côté-là, et je pense qu'on va se tailler un chemin comme ça. Tac. On va voir, on va avancer 10-15 blocs, puis après on va commencer à descendre. La 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 la.
Un petit retour à la mine, au calme. Ça fait du bien aussi. Du quartz. Oui, je me dis que le quartz, je vais essayer d'en faire quelque chose de chouette. Pardon. Et pas de hibou. Alors sinon, pour mon micro, c'est possible que ça fasse des peu. Je vais essayer de baisser un petit peu là. Tout simplement parce que il est en cours de rodage. J'ai pas encore acheté de filtre anti-pop. Et sur ce genre de matériel, c'est vachement utile. Plus que sur le précédent, tout simplement parce que le précédent, je n'avais rien fait par ma copine en laine de filtre. Et en fait, ça donnait plus d'interférences qu'autre chose. Après, vous me direz, la laine, c'est peut-être pas fait exprès pour ça. Mais c'est du fer, ça, du cuivre. Je sais plus. On prend copper, du cuivre. Bon, bah ça va très bien. Allez, moi j'aimerais du fer, s'il vous plaît. Rien à faire. On descend complètement à la one again. Alors, faudra qu'on m'explique où l'arbre qui se trouve ici a trouvé de quoi se faire de la photosynthèse. Moi je cherche, hein, je cherche. Voilà. Ok, ouais. Bonjour, je suis un arbre. Je pousse au milieu de nulle part. Ah, mais vraiment au milieu de nulle part, machin. Alors là en dessous, on a des. Je vais juste m'assurer que j'ai de quoi faire un retour. Ouais. C'est. Ah! Des choses intéressantes. Du cuivre. Encore du cuivre. Je suis sûr qu'on peut faire plein de choses avec ça. Il faut vraiment que je me réveille. Bon, déjà, on peut se faire du bronze, hein, ça c'est clair. Voilà. Allez, encore un petit cristal de quartz. C'est juste un petit peu cher en quantité de quartz. Alors, là en bas, on va voir de la. Truc, ça peut être intéressant. Un lac de lave aussi près que ça c'est hyper cool. Je savais pas que j'en avais des aussi près de chez moi en fait. C'est tout, oui? Non, parce que si j'ai tout qui me tombe dessus, ça va pas le faire, les gars. Ok, un petit lac de lave. Oh my 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 my. Si je casse ça, voilà. On fait tout tomber dans la lave. C'est mieux comme ça parce que. Oh mon dieu. C'est un lac de lave, je suis pile au-dessus. Et un seul bloc. Mais j'aimerais juste descendre. Ouais, alors c'est bien d'avoir un lac de lave, ça serait mieux de l'avoir accessible en fait. On va passer par là. Voilà. Est-ce que là je peux descendre? Oui. Alors là je joue avec le feu, hein. C'est bien ce que je pensais. Impossible. On va remettre un bouchon. Je joue d'autant plus avec le feu que je n'ai pas de matériel pour me battre s'il y a quoi que ce soit comme monstre qui traîne là en bas. On sait jamais. On sait jamais. Mais j'ai rien. Donc de toute façon, si on a un, tant pis. Ce sera la méthode dite de courage fuyons. C'est une méthode de tout à fait approuvée, n'est-ce pas? Qui consiste à dire. Ah bah tiens, je me téléporte chez moi. Hihi, au revoir. Si possible, avant de mourir. Alors il faut faire beaucoup d'études pour arriver à le faire. Ok, alors là, je vais pouvoir gentiment me faire des fours. J'aimerais quand même arriver en bas, d'abord. Trop, mais sérieux, il y en a combien de ces trucs? Bon, allez, tac. Voilà, il n'y a plus. Saleté de gravier. Heureusement que je vais aller de l'autre côté, sinon je le ferai pas. Ce qui est bien, c'est que ça me fait du fer. Et du charbon. Et ça, c'est très très bien. Avec ça, on va pouvoir s'équiper un petit peu plus sérieusement. Ça tient? Non, ça tient pas. J'ai bien fait de l'enlever. Bah, c'est vraiment un piège, hein. J'ai déjà marché dessus deux fois sans que ça casse. Je suis très étonné, mais ça m'arrange, hein. J'aurais déjà dû mourir une fois ou deux. Oh, nice. Une petite pièce d'or. C'est toujours bon à prendre.
Allez, du fer. Tac. Encore du fer. C'est drôle, des fois je cherche pendant des heures, je trouve pas un seul de fer. Là, je sais pas, aujourd'hui, il a envie, alors. Alors il m'en donne à tous les coins de rue. Ok, est-ce qu'on peut virer des trucs? Ça a pas besoin. La gold coin, on la garde là. Ça aussi. Toutes ces feuilles là, ça sert absolument à rien. Je pense qu'il faut que. Est-ce que c'est par là qu'il y avait ce trou de lave? Eh hey, oh! Je ne sais pas, je ne sais plus. Et en plus, je vois rien. On va dire que c'est par là. Et si c'est pas par là, c'est pas grave. Est-ce que c'est. Oh punaise! Je crois que j'ai trouvé le lac de lave. Oh punaise! On va laisser comme ça sera ouvert. Comme ça, je vois où je suis. Si je veux aller au bord de mon lac de lave, il faudra que je remonte un petit peu. Et alors, c'est vraiment parfait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques temps. Ouais, mais Cyberpangolin, pourquoi tu ne fais pas un épisode où tu vas au Nether? J'ai dit oui, je vais en faire un bientôt. Et bah, ce sera la bonne occasion. Parce que si on a un lac de lave, ça veut dire que on peut se faire de l'obsidienne. Si on peut se faire de l'obsidienne, on peut se faire un portail. Et si on peut se faire un portail, on peut aller au Nether. Voilà. Ouais. Alors, remonte par là, s'il te plaît. C'est bizarre, en essayant de miner avec la truc, ça marche pas. J'essaie de miner avec une torche, la torche ne mine pas. Il y a des choses bizarres dans la vie. Voilà, c'est exactement ça qu'il me fallait. C'est juste parfait. Alors, je vois que cette grotte est immense. Et on a une source d'eau là-bas. Je me disais, mince, j'ai pas pris de source d'eau. Et je vois qu'il y en a une là-bas. Faut juste casser le bloc en dessous et on va faire un joli feu d'artifice. On aura des kilomètres cubes d'obsidienne. Ou alors, peut-être si je me rapproche assez, ça va s'actualiser, ça marchera aussi. On va faire ça. Alors, on va essayer de pas passer à la flotte, hein, s'il vous plaît. Surtout que c'est pas vraiment de la flotte. On va. Allez, un petit chemin. C'est pas pire que d'être au-dessus du vide, hein, en fait. Je fais bien pire tous les jours avec ma tour Eiffel. Enfin, tous les jours. Oh, si seulement. Si seulement je pouvais jouer tous les jours. Ah là, là 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 là. Voilà. Un autre avantage du micro-casque, c'est que normalement, j'aurais besoin de faire un traitement. Ouais, je verrai, hein, mais. Je pense que je vais vous mettre le son brut parce que. Avec le précédent, je devais faire un traitement spécial sur le son pour qu'il apparaisse correct. Ok, alors la source d'eau ne coule pas. Étonnant. Et alors je vois un truc drôle en bas, c'est qu'apparemment il y a de l'acide qui coule sur la lave, mais ça ne pose aucun souci. Bon, je crois que je vais pouvoir atteindre mon eau là. Allez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, l'eau coule. Et maintenant, on se taille une petite. Ah, mais ça marche pas parce que. Ok, ouais, ça me fait pas d'obsidienne, c'est sur les sources d'eau qu'il faut que ça passe. Donc, on va se faire un four. Ensuite, on se fait du fer avec le fer. On se fait un seau. Avec le seau, on récupère l'eau et on la balance. C'est pas mal comme plan. Tac, là-dedans, on va se mettre ceci, cela, on laisse cuire. Et en plus, ça va super vite. Du coup, j'ai même pas besoin de meubler pour ou de vous dire qu'on se retrouve juste après. Ça va tellement vite. Voilà, je crois que c'est 3, ça suffit. Ce qui me fait penser aussi, je n'ai pas de du tout d'armure sur moi. J'ai vu avant. S'il te plaît, j'aimerais récupérer la source d'eau. Ah, on va casser ça. Est-ce que ça marche maintenant? Ouais, lightbox. Voilà. On a la source d'eau, on est content. Et on va venir la balancer là au milieu. Voilà. Alors je vais pas vous cacher que là, je vais travailler uniquement avec de l'eau sur la tronche. Je préfère que ça coule sur la lave pour rien que ça pose des problèmes. Voilà, des mètres cubes d'obsidienne. Oh, je suis puissant, j'ai fait.
Moi, le pangolin, j'ai réussi à assécher un lac de lave. Ah oui, et sinon, si j'avais eu un peu plus la vue, j'aurais peut-être vu qu'il y en avait juste là aussi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est plus fun comme ça. Alors, est-ce que ça... Oui. On peut casser de l'opsy. Est-ce que j'ai... Oui, je l'ai récupéré. Mais l'eau n'a pas encore coulé dedans. Voilà. Allez, on y va. Tong. Voilà. On va pas s'ennuyer, hein. Je vais en prendre beaucoup. Je vais voir si je peux faire des briques avec. Ou... Il me semble qu'on peut. Ou alors je fais encore le cyberpogola mal informé. Mais je suis presque sûr qu'il y a une astuce dans ce genre-là. On va juste récupérer un peu de respiration. Merci. Alors. Salut à Taron. Je vais bientôt étouffer. Chef, on n'a plus d'air. Chef. Voilà, on est bon. On est bon. Et je vous retrouve juste après. Ok, on se retrouve. Retour de ma petite femme du boulot. Alors, on va continuer à se faire de l'opsy gentiment. Je pense qu'on va monter. Ouais, on se fait un stack et puis on y va quoi. En fait, non, parce qu'il reste quasiment plus rien sur ma pioche. Chef, j'ai besoin d'air. Ok. À part ça, je suis en train de me dire, je vais profiter de mon four pour. Ah ouais, c'est déjà fait. Ok. Je vais mettre cramer le reste. Ça coûte rien. Voilà. Bon, bah, j'aurai ma mine à opsy comme ça. Bon, vous savez quoi, on va casser ça. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Un petit peu court pour la reprise, comme ça, tranquille. Aussi pour tester mon nouveau matériel, comme ça si c'était pourri, ben ce sera pas trop long. Et puis si c'était bien, ben, tant mieux pour vous. Voilà, je ne l'ai plus de pioche. Du coup aussi niveau audio, je vais pouvoir régler mes problèmes, resynchroniser le son du jeu et celui des écouteurs. Je vais voir comment je vais faire, mais ce sera mon prochain problème informatique à régler. Voilà donc, sur ce, je vais continuer probablement à miner dans mon petit coin. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée, un commentaire, ça fait très plaisir de les voir. Tac. Et puis, on se retrouve très 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 bientôt. Bye tout le monde.